Tottenham. Milan. Ouais, Tottenham, Milan et... Ça, c'était fantastique. Ouais. Standard et Liège, ils sont qualifiés. Chapeau 2. On prend Tottenham. Retour du Goloris. Real Sociedad, Milan AC. On va choper Celtic. En vrai, Celtic. On va choper une équipe des Pays-Bas, je sais pas qui. Et on va choper une équipe d'Italie. Celtic, une Pays-Bas, une Italie. C'est bon? Ça y est, le papier du gym est tiré, il est brandi. On attend de voir. Groupe C, Bayer Leverkusen, Slavia de Prague et Apoel Bircheva. Donc, un déplacement en Allemagne, en République tchèque et en Israël. J'avais tout faux. Regarde qui c'est qui arrive. Allez, je vous laisse parler, décortiquer le tirage au sort. Vas-y, Rony, prends ma place. Rony Lopez, vas-y. Oh qu'est-ce non, qu'il a pas lui. Qu'est-ce qu'il y a? Lui, il va m'humilier encore avec Manchester. Manchester, ça va ou quoi? Ça va et toi? Voilà. T'as vu le tirage? Ouais, t'as vu? Comment... Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu penses là? Premier avec 6 matchs, six... premier avec 18 points. Que des victoires. Ça sera bien. Hein. Non, je sais pas, ça va pas être facile, mais j'espère qu'on va faire quelque chose quand même. Ah, c'est sûr, la Coupe d'Europe, c'est pas facile, mais je pense que... On a quelque chose à faire là-bas. Hein. Ah ben regardez qui on a. Alassane Pléa, comment ça va Alassane? T'es en voiture? Ça va, et toi? Alors et tous les missions, elles vont bien? Ça va. Ouais, j'arrive là. Ouais, écoute, ça va, hein. J'ai vu le tirage. Alors? C'est pas mal, hein. Vous avez une équipe allemande. Ça va être compliqué, mais après Nice, ils ont les armes. Hein. Et du côté du Bayern, là, qu'est-ce que tu fais? Il y a des joueurs dont il faut se méfier. Il y a des comment ils jouent? C'est une équipe offensive. C'est ouais, c'est offensif. Hein. Les Allemands, ils jouent offensif. Offensif et ça va de l'avant, ça va vite. Ils ont des deux trois bons joueurs qui sont rapides. Il faudra faire attention. Il faudra être solide et savoir les contrer parce qu'ils se découvrent beaucoup. Et après devant, va falloir jouer vite et il y aura beaucoup d'espace. Donc c'est ça qui est bien. Bon, et toi, là, tu étais en train de regarder le live Instagram, c'était pas prévu du tout, tu continues le gym? Non, toujours, hein. C'est mon club. Hein. Là, pour moi, c'est le socle du début du projet. C'est-à-dire que je pense que pour nos jeunes, ça va être extrêmement formateur. C'est un cumul d'expérience qui est intéressant. Et il faut que le GC Nice, alors on demande du temps, bien sûr. Je sais que personne n'a du temps dans le football et que tout le monde va aller très, très vite. Mais voilà, moi j'espère que c'est le début de jouer chaque année des matchs tous les trois jours. C'est ça qu'il faut souhaiter. C'est qu'on puisse accumuler l'expérience et puis devenir petit à petit un club qui joue l'Europe de façon récurrente. C'est ça notre projet. Alors je ne dis pas que l'année prochaine, on va encore être en Europa League ou mieux. Mais voilà, c'est vraiment une compétition qui doit nous apprendre à savourer ça. Je pense que moi, oui, à titre personnel, les deux précédente édition, je les ai vécues, mais les matchs enchaînent, donc on ne fait pas attention vraiment qu'on est dans une Coupe d'Europe, bon, même si on va à droite, à gauche. Là, j'ai envie de la savourer et j'ai envie que le club prenne conscience de l'opportunité de grandir avec ce type de match. Salut à tous, c'est Mohamed Bouafsi. Je voulais juste vous dire que j'ai eu un grand plaisir, c'est de regarder le tirage au sort de la Ligue Europa sur le compte Instagram de l'OGC Nice. J'ai eu le plaisir de voir le président Jean-Pierre Hivert tenir ce très beau discours ambitieux et notamment ce discours sur les jeunes et sur les supporters, puisque sans les supporters et notamment ceux de l'Allianz Riviera, eh bien c'est toujours plus compliqué d'aborder les matchs. Vous dire aussi que c'est un tirage qui est intéressant pour l'OGC Nice, je le pense sincèrement, avec une belle rencontre face à Leverkusen. Leverkusen qui a perdu Kai Havertz. Donc je pense que l'OGC Nice est capable de sincèrement terminer première de son groupe. Nice qui est capable aussi d'évoluer aussi, de s'améliorer, même si le jeu n'est pas parfait pour l'instant, le jeu n'est pas très bon. Je pense que l'OGC Nice peut retrouver ses standards et son niveau réel. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous pendant ce tirage. Et je me dis une chose, c'est que l'OGC Nice peut finir soit première, soit deuxième de cette phase de poule. Et donc, pourquoi pas rêver, espérer d'une belle aventure européenne. Je suis sûr que les joueurs de Patrick Vieira en sont capables.
Would you say you're obsessed by the goal? I would say so, yeah. It's especially if I miss a chance or whatever, it's something, especially if it's an important thing, if we don't win the game or if we draw a game where I should have scored or something like that, it kind of hunts me, I feel like. Kasper, tu sais que je suis un grand chambreur, que j'aime bien te piquer, te taquiner, mais j'ai remarqué que quand on fait travail devant le but et que j'appuie un peu, que je te taquine vraiment beaucoup, ça te met une petite rage et tu deviens beaucoup, beaucoup meilleur. I have to say, there's not a lot of guys who can piss me off like this guy. Like, I don't know what it is with him, but he's just, he can be a pain in the ass. But in a good way, you know? He says it makes you better. Exactly, and I think it does. So maybe I should thank him sometime. Kasper, tu penses que t'es plus beau avec ou sans cheveux? Kasper, je vois que pendant les matchs tu prends beaucoup de coups. Comment tu fais pour rester aussi calme? Je voulais savoir, qu'est-ce que t'aimes de plus ici à Nice déjà? Est-ce que t'as déjà goûté la pizza d'hier, d'autres choses niçoises par exemple? Et dans le vestiaire aussi. Et qu'est-ce que t'aimes moins? Et qu'est-ce que tu voudrais que nous, autant que groupe, fassent pour améliorer ton quotidien et qu'on puisse t'aider chaque fois plus en tant que famille? Ok? Allez, mon ami, gros bisous et profite bien de la Côte d'Azur. Kasper, j'ai une petite question pour toi. C'est une question très sérieuse. Je voulais savoir si tu étais heureux et ravi d'avoir un traducteur français-anglais comme moi. Et réponds vraiment honnêtement, s'il te plaît. Je suis curieux de savoir ta réponse. Merci. Bon, on vient voir Nice gagner contre Nantes. On est heureux, on attendait ça avec impatience. Ça fait très longtemps qu'on attend ce moment, donc on espère que ça sera bien et qu'on va passer un très bon moment. Ça va être bizarre à 1000 personnes, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ça nous fait vraiment plaisir de revenir, même si on sera peu nombreux. Quelque part, les 1000 personnes qui sont ici, ben, ça va leur faire plaisir et j'espère qu'on va faire entendre notre voix pour encourager notre équipe préférée. Ah, je suis ravi, on voit pas mon sourire, mais je suis ravi. Ça me fait plaisir. Vous savez ce que ça fait? Ça fait des frissons. Parce qu'on est content d'être là, on est des vrais supporters. Et c'est un vrai plaisir d'être là et de revoir l'équipe jouer. J'ai regardé le match à la télé, j'étais dégoûté. Et là, je suis enfin au stade, je suis content. Enfin, le prix de sésame, après 6 mois d'attente. J'ai vu que l'aigle à Nice était en train de se préparer à déployer ses ailes. Il y a un prénom sur cet aigle, mais je m'en souviens plus. Comment il s'appelle? Napoléon? Messi. Il s'appelle Messi. Bon, Méfi. Lionel. Lionel. Bon, pas. Nice, c'est extraordinaire. Bon, d'accord. Et Méfi. Il s'appelle Méfi. Rendu compte de ce qui s'est passé dans RPI, c'est terrible. J'ai vu des images, j'ai vu des gens qui sont connaît du monde là-haut et tout le monde connaît du monde à RPI et c'est terrible. Voilà, donc bien évidemment que la moindre des choses pour nous, c'était de s'associer à ça et de leur dédier le match, d'avoir un brassard pour les joueurs et j'espère ce soir qu'on pourra leur dédier une victoire. Voilà. C'était pour tous les gens qui ont passé un moment difficile hier. C'était pour les victimes des intempéries. Il y a eu des morts, des décès. Donc on pense fort à eux, cette victoire elle est pour eux. Je sais que c'est un moment difficile, on pense à eux. Non, c'est pas facile parce que justement c'est ça qui est le plus dur parce que l'équipe
elle est justement encore plus organisée, elles essaient de rester derrière, etc. Donc voilà, c'était difficile de marquer le 2-1, mais on l'a fait, et puis après on a su gérer. Ouais, c'est ça, il y a de moins en moins d'espace quand à 10, ils ferment tout, ils bloquent. Mis ce premier but qui nous a fait du bien, mais malheureusement on a pris ce but avant la mi-temps et on est revenu à la mi-temps avec un partout avec un peu de frustration, mais bon après on a su mettre ce deuxième but en deuxième mi-temps qui nous a rapporté 3 points. Perso, c'est grâce à moi parce que je lui ai dit, vas-y, va, tu vas marquer. Et tu sais, t'as l'occasion de tirer, frappe. Après le but, je suis allé vers lui, j'ai dit, alors, j'avais raison ou pas? J'ai bien aimé le but et la danse. Après la célébration, j'aime bien. C'est vrai que j'ai fait une petite danse avec Mizian. Et je vais pas la refaire. Oui. Il me déçoit jamais. Pour les célébrations, il me déçoit pas. C'est un rappeur qui vient de Barbès. Il s'appelle Guy de Besbar. C'est sa petite danse. Donc je l'ai refait. Mais il peut faire mieux sur la danse. Non, moi je suis comblé. Il y a des gens dans cette équipe qui n'ont pas confiance en mon pied, dont Pierre, il n'a pas confiance. Et là j'ai marqué, et il est juste là. Est-ce qu'on peut tourner la caméra vers lui? Voilà, j'ai marqué. Et ce but, il est en partie pour lui. Bon, là, ouais. Tu me le dédies? Ouais, je te dédie. Ah, merci. T'es quoi? Je vais me mettre une sauté à ça, de toi. Merci. Parce que 37 ans, c'est beau, hein. 37 ans. Ah oui, c'est beau. J'ai l'amour à ça, j'ai le passion de jouer au foot. Ouais. J'ai un très gros amour pour le club. Ah. Et puis voilà, ça me fait plaisir de pouvoir les aider. Ça fait du bien. Hein. Ça faisait longtemps, ça fait du bien. On retrouve un peu les joueurs, les autres supporters. On m'a appelé vendredi, j'avais les larmes aux yeux, ça faisait tellement longtemps. Ça fait du bien, ça fait du bien. Franchement, on attendait ça avec impatience, donc on est content d'être de retour. Ça faisait un moment qu'on attendait ça, donc on a eu cette chance d'être présent et de voir un match, et puis une victoire surtout. Franchement, on a poussé, on a dominé. Après, c'est vrai que c'était un peu serré avec le pénalty et tout, mais bon, on a su revenir avec le caractère. Et c'est ça qui m'a plu. Une bonne amélioration par rapport au match précédent, avec plus d'intensité et de niaque dans le jeu. Et je voulais dire merci à Hassan Camara et merci à Walter. J'ai eu 2 ballons ce soir. On vit très bien, on est très content, on a un bon groupe qui rigole bien. Donc c'est bon pour la suite. Il y a une bonne ambiance ici, c'est pour ça que j'ai confiance en cette équipe et on va faire beaucoup mieux encore. On a tendance à oublier que ça reste de très très jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Ligue 1. Et pour justement grandir, ils vont commettre des erreurs, ils vont prendre des mauvaises décisions. Mais c'est là qu'il faut nous être patients avec eux et continuer à travailler pour justement ces joueurs avec beaucoup de talent deviennent des bons joueurs. Thank you.
Hicham, t'es brésilien en fait. Ouais. C'est un brésilien. Regarde. Oui, lui, c'est regarde, pas mal. Regarde. Dani, on lui donne quoi comme nom brésilien à Hicham? Boudawinho. Boudawinho, c'est bien. C'est bien là. Presque comme Robin. Robin. Boudawinho, c'est ça? Ouais, c'est ça.